Attention, Daniel Centaure pour Dandy 33 qui t'appelle. Oh Daniel, 73-51 toi. C'est très très QRP là de mon côté là. Tu es coincé entre les maisons là, on dirait là. C'est à peine audible. Hein. Ok, là j'ai réussi à entendre. J'ai entendu Saint-Médard. Ben oui, vu l'heure, tu sors du cuir. Hachi. Ok pour la poudrerie. Eh bien, j'arrive. Je suis toujours sur la nationale 89. J'arrive au panneau, la limite à 90. C'est-à-dire, c'est quelle sortie ça déjà? C'est la sortie, c'est la sortie Artigue, hein, de toute façon. C'est la sortie Artigue 13, numéro 2. Là, t'es encore un peu loin là pour que je t'entende correctement. Là. C'est... Puis en plus, là, c'est vrai que là, sur le secteur d'Artigue, il y a toujours un peu de QRM. Moins que d'habitude là ce matin, mais bon, il y en a encore un peu. Quoi. Attends, t'as du brouillard dehors. Moi, je l'ai plutôt là à la tête, le brouillard. Hein, chie trois coups. Ok, ouais, t'as raison. En fait, là, j'ai démarré une petite vidéo. Si ça te dérange, tu me le dis, pas de problème, je coupe direct. Et s'il y a des choses qui sont dites dedans qui ne devraient pas y être, je recouperai avec. Justement, j'ai donné les cartes à la dernière vente. Ok, d'accord, c'est sympa tout ça. Quoi. mais de toute façon, là, dans le courant de la discussion, il y a peut-être certains petits passages, vu qu'on va au pro, il y a peut-être certains petits passages comme le QTH, le truc comme ça, ou je ne sais trop, qui peuvent être dits, il n'y a pas de souci. Hein. Après, je réécoute et je recoupe les petits morceaux qui n'ont pas lieu d'être. Alors là, je sais pas si tu m'entends, mais là je suis normalement, oui je pense, quand même, Hachi. Là je suis sur la rocade Est, là, je viens de passer entre les stations totales. Là c'est en plein QRM ici, là dans cette zone, là forcément je t'entends plus, là pour le moment. Thank you.
envoyer dans les QRM là pour le moment, Daniel. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, ouais, il y a eu un petit passage, là je t'ai entendu correctement. Ok, voilà, je suis en train de passer là devant la gendarmerie autoroutière là qui est là dans le grand virage là en direction du pont d'Aquitaine. Ah, je crois que c'était la marée de cours, moi. Là, je suis pas le niveau de l'eau, ouais. Voilà, j'arrive à quasiment à la hauteur de la sortie Vieux-Lormont. Dernier virage avant le pont d'Aquitaine. Ok. Oui, donc je m'avais dit que l'entrée se faisait par la troisième porte alors. Alors, porte ouest, voilà, on passe tous par l'entrée de derrière, pas de sous-entendu, hachis trois coups. ça sera plus pratique pour nous tous, vu que l'entrée de devant est fermée. Ah, ok, d'accord, oui, donc, parce que là, toi, j'allais encore faire la boulette, j'allais passer par l'autre côté là-bas, par l'ancienne entrée là. Tu vois, maintenant on est obligé de faire le contour là-bas, donc pour moi, c'est. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. On est tranquille, on va se poser, et puis ça sera plus héros comme ça. Je suis en haut du pont d'Aquitaine, Hachi. Voilà. ouais, voilà, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Là, ça fait bien deux semaines là, que je vais là-bas. Là, c'est hier, on en a discuté. Ça, c'est depuis le début de la semaine, on en discute et tout. Normalement, au niveau du bureau, le QSP a dû être fait pour les autres collègues. on peut s'attendre que certains n'ont pas bien écouté, je pense, ou alors que le message n'a pas été bien passé ensuite. Bon, ok, ouais, bon, ben moi, de toute façon, j'arrive à tenir ce combat. Hein. Si ça passe pas, c'est la même chose. Hein. Ah, mais de toute façon, on est tous comme ça, au fait, quelle tenue j'ai mis. Non, c'est bon. Ah, si, je vérifie si j'étais bien en tenue pro. Mais... non, mais de toute façon, là, on est tous comme ça, car je sais pas pour d'autres, mais au niveau de certains, il y aura le gilet qui va bien, le gilet de 8 kilos, là, qui va bien. Ah, mais c'est pas dit que toi, tu l'es, hein. Ça, non, je préfère pas le dire là-dessus, mais moi, je pense que ça sera plus pour juste quelques-uns qui sont à des emplacements bien précis, quoi. T'es déjà rendu là-bas? Wow! Je viens juste d'arriver là, je suis au niveau de la première sortie en bas du pont d'Aquitaine. Ah oui, non, mais bon, moi, c'est vrai qu'il faut dire que je suis à côté, Rémi, donc c'est pour ça. Même si j'ai fait le petit contour du rond-point, là, j'y suis. Après, je peux venir en vélo. Ok, puisque tu es aussi en avance et que je te connais bien, hachis trois coups, as-tu prévu des sandwichs pour ce midi? Ah oui, moi j'ai prévu ma camionnette pour midi. Oh, j'hallucine. tu y as pensé? Ah oui, j'ai pensé, oui. Ah mais tiens, comme il s'appelle, j'ai mangé son prénom, il est arrivé là, tiens, le fourgon bleu. Oui, je vois qui c'est, il n'y a pas de problème. Putain, mais il est beaucoup trop en avance lui aussi, ou alors il est aussi. Ouais, il a dû dormir sur place. Ah non, il arrive juste. Ah, bien sûr, je déconne. Je crois en plus, il doit pas être très très loin. Je sais pas.
Waouh, il y a de la paix. On dirait, je crois qu'il y a plusieurs QSO là. Tout à l'heure sur la route, là, j'entendais un QSO en QSO sur le même canal en FM. Là, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre là derrière aussi, là sur le 19. Hachi, 19, il est un petit peu encombré ce matin. Ouais, ouais, ben voilà, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais, tu passes plus fort. Hein. En plus, ça tombe bien, je vais dans ta direction. Ouais, pour ça, là, je suis dirigé vers l'aéroport. Là. Ouais, d'accord, mais bon, là tu as le 7009 là derrière, c'est ça? Ah oui, ben moi j'ai que mon petit 7009 sans rien derrière pour moi. Moi, ici. Ok, ouais, non, mais sur la route, là, je me suis dit, la terre, je commençais à me dire là avant de démarrer la vidéo, ça va être coton. Parce que là, rendu sur la voie rapide, je voyais l'aiguille monter, tu même pas, j'étais sur la rocade de Libourne, que je voyais l'aiguille monter et tout, mais bon, pas vraiment de radio. Je bascule à FM, ouais, ils étaient 3 ou 4 là tout à l'heure, là en QSO, là sur le 19 FM. Et je me suis dit, bon, ben, on verra bien. Là, vu comment j'ai entendu la CQRP, la station là derrière, bon, ça a l'air d'être en AM. Ok, mais bon, ça a l'air d'être loin, donc à mon avis, on va pas trop chialer. Ouais, non, mais je pense que ouais, ça va taper quand il va remonter là, du côté des Beaux, dans la direction, on va voir plus haut là-bas. Voilà. Alors moi, je te dis, moi ici, là, c'est pour ça que je m'inquiète, parce que j'entends rarement du monde là, dans mon secteur, même ben, les OM avec qui j'avais l'habitude de discuter tout ça, Ok, là tu m'entends bien là, il n'y a pas de problème. Oui, de toute façon là, au passage du pont d'Aquitaine tout à l'heure, tu me faisais du 87 là. 87, qu'est-ce que je déconne moi. Ouais, 58, tu me faisais tout à l'heure du 58 là sur le pont d'Aquitaine. Là dans les passages, la 75 là, toujours stationné. Hein. Ouais, ouais, à mon dernier passage, là, c'était pour te dire que là, on est à égalité. Ouais, c'est 75, là, c'est QRO, là. Ok, non, mais c'est histoire de pas gêner les autres stations là, qui sont en QSO, là, derrière. Voilà, comme ça, là, on est tranquille, là. On peut quand même rester là pour montrer qu'il y a de l'activité, là, sur le canal 19. J'arrive au niveau du radar, là, dans la ligne droite sur la rocade. Voilà, comme ça, là, ça permet de montrer qu'il y a de l'activité quand même sur le canal 19, et sans pour autant gêner, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai, oui, mais de toute façon, moi, je suis obligé d'attendre, parce que comment ça se passe, là, pour... Yannick de Dizine, là, l'OM, la PMR, je l'ai entendu là-bas depuis le Palavéron, parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de faire la radio, parce qu'on était parti du matin jusqu'au soir, donc la radio, eh bien, je l'ai pas fait. Il y a une journée, là, un week-end, on est descendu là, dans le Béarn, et je l'ai entendu là, depuis là, où je vais dans le Béarn.
Yannick, là, pour 2507. Oui, 2507. Yannick, 2507, la dizaine, je l'ai entendu là, jusque là-bas dans l'ODR. Ben, pas fort, hein. Je savais que c'était lui, parce qu'il y avait un murmure, j'ai reconnu sa voix et puis son indicatif plusieurs fois, et j'ai entendu une web depuis là-bas. Hein. Ok, un murmure tu dis, donc c'est là qu'on voit l'avantage de l'analogique par rapport au numérique, car en ce moment il y a un phénomène de mode vers le numérique, sauf que ben, j'ai rien contre le numérique, c'est vrai que la qualité audio est meilleure, mais dès que le niveau commence, la réception commence à baisser, ben, ça coupe net, et là tu dis dommage. Alors que là, en analogique, tu continues à entendre. Il y a d'autres stations aussi qui se sont remontées. Il y a un autre Eric qui trafique également en DMR. Voilà, DMR et 27 mégas. Je l'ai eu là, ces jours-ci aussi. Putain, oui, je suis en train d'arriver dans le brouillard. Là, je suis à la hauteur des stations totales à côté de la 10. Voilà, il y a d'autres stations aussi qui se sont mises en fréquence. Faut dire aussi que toi, chez toi, tu as, je sais plus, 5 ou 7 points de QRM. Alors pour décortiquer quelque chose, c'est pas évident, quoi. Ah, il te faudrait un filtre genre MFJ ou un truc dans ce genre-là, du moins pour voir ce que ça donne. Mais bon, vu le prix du truc, pour juste tester, c'est un petit peu short. Peut-être que par la suite, là dans les médias cette année, je peux rien m'acheter. Là, c'est le budget est clos et fermé. mais je compte bien m'en acheter un et puis là on verra bien pour tester chez toi à l'occasion. Ok, ben il n'y a pas de souci, Anthony. Voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est tout à l'heure, je te montrerai des photos. Et puisque ça pourrait nous servir pour le prochain salon à Marennes. Et éventuellement pour notre rendez-vous là, du mois de décembre. Là. On pourra peut-être mettre. Enfin, c'est pour ça, je vais te le montrer tout à l'heure. C'est mon frère qui m'a donné son ancien portique là, de Sono. On te montrera les photos, tu comprendras. Ça sera plus pratique que leur gros carré là, tu sais, où ce qu'avait Pascal. Voilà. Comme ça, si on peut l'amener, enfin, je l'amènerai certainement l'année prochaine, mais il faut que je sache la hauteur de la banderole du FCBA là, pour voir s'il faut le planter ou la laisser comme ça. Voilà, Rémi. Ok, d'accord. Justement, tiens, au FCBA, là, pour le 1er décembre, là, ils veulent que je prenne le micro et tout, là, que je fasse un speech, là, devant l'Assemblée. Aïe, aïe. Ah, c'est pas pareil que d'être à la CIBI, ça. Donc, et puis en plus de ça, il va falloir que je parle un petit peu, là, au nom de l'ERCI. Eh ben oui. En tant que. Enfin bon, bref, au bureau de l'ERCI, forcément, je ne vais pas pouvoir y échapper. Là. Alors, il va falloir que je me prépare là, tout un petit discours et tout, ça. Je commence déjà à paniquer, moi. Hachi. Non, la première fois, ça fait toujours ça. Après, à ce qui paraît, ça glisse tout seul. Hachi. Non, je me souviens, tiens, justement, là, quand j'étais là, à l'Assemblée Générale de l'ERCI, oh putain, ça a été de surprise en surprise. Et du coup, quand ils m'ont appelé pour prendre le micro, auquel je ne m'y attendais pas du tout, ben, je me suis un peu vautré sur le coup, hein, je ne savais plus quoi dire. Et ce qui a fait ça, c'est que quand parce que moi j'étais venu pour parler CIBI, tout ça. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, oh, les associations, des associations, ça n'utilise plus la CIBI, tatin, et couffin, et qu'on t'en fout des couches. Et arrivé là-bas, grosse surprise, mais ils utilisent tous la CIBI, mais ils utilisent d'autres moyens de radio également avec, mais la CIBI est toujours utilisée, et du coup je me suis retrouvé comme un gland avec mon discours en tête qui ne savait plus rien, quoi. Là je suis plus très loin, là. Entre les ronds-points, putain, ça y est, je commence déjà à bafouiller, ouais. Thank you.
effectivement, parce que j'ai vu qu'effectivement le signal était bien monté à 9 là. Alors, je ne sais pas si tu m'entends là, Rémi. Alors, je monte un petit peu, voilà, je vais monter un petit peu, voilà, comme ça, je pense que ça doit être mieux pour toi. Voilà, je suis à 10 watts là. Voilà, est-ce que c'est mieux pour toi là, Rémi? Enfin, mieux, pas mieux, mais enfin, bon, sur la tête par rapport à ton arrivée, ça va être mieux. Ah ben là je pense que tu dois m'entendre quand même, je suis à 4 watts là. Ah mais c'est bon alors, c'est très bon alors. Voilà, il n'y a pas de souci. Ben dis donc, ça arrive, il y a du monde là qui arrive là, il y a 4-5 voitures là déjà. Voilà, et puis donc il n'y a pas de problème. Voilà, bon ben écoute, je vais laisser la réception, mais tu dois pas être très loin là maintenant là. Ouais, j'ai tourné là à droite au grand rond-point. J'attrape, j'arrive sur l'autre rond-point pour tourner à gauche. Il y a aussi des bénévoles là pour aujourd'hui. Il y a tout un tas de trucs. Ah, ok, d'accord. Bah, écoute, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis toujours stationné sur le côté, là, juste, tu sais, à l'entrée. Ok. Ouais, le truc que je peux te dire là-dessus, c'est la journée des familles. Voilà, c'est ça quoi, c'est donc si je dis que ça va être bon enfant, je crois que là je dis pas trop une connerie sur le coup. Ouais. Attention, il y a les grandes oreilles. Ouais, non, mais j'avais pas dit plus. J'ai pas dit où on est, j'ai pas dit où on va, j'ai pas dit ce qu'on va faire. Putain, c'est. Oh la vache, là je découvre un petit peu le secteur. Je suis sur un rond-point intermédiaire. Putain, c'est Versailles ici, quoi. Ok, attends, je rallume le contact parce que de toute façon, t'es pas loin, là. Dès que t'arrives, je te suis, là, et je te précède. Putain, oui, si j'ai bien vu, ça doit être 9 plus 10. Donc là, je dois être à côté... Ah non, c'est pas encore ce rond-point-là. Putain la vache, ouais, je suis en train de ça fait des lustres hein, que je suis pas passé par là, moi. Ouais, ben bon, pour moi c'est du direct, quoi, donc c'est pour ça que si même j'aurais pu venir en vélo ce matin là. Ok, j'ai mis la réception à zéro, vas-y, prends le micro pour voir. Ok, ben moi de toute façon là, il y a déjà un petit moment là qu'elle est à zéro. Ouais. Putain, j'ai l'impression de... Ah oui, ouais, je te vois. J'ai l'impression d'avoir mis le squetch là pour le coup, tellement que ça a baissé quoi. Attends, il y a des phares qui arrivent, tu tournes à gauche là. C'est moi qui l'a. Oui, grillé, vu. Ok, voilà, ok. Je coupe. Mais... Ah la vache, je pensais pas que le RF gain marchait à ce point-là, quoi. Attends, on va en profiter. Les 73-51 des stations, merci, c'était bien sympa de nous suivre dans ce petit QSO. Voilà, comme vous avez vu, la lumière s'allumait dans le push. C'est Centaure Daniel qui vient de taper l'incruste. Ah, je suis trois coups. 73 à tout le monde, là, Daniel Centaure, donc FRS 2373. Voilà, pour la belle journée là, qui va se préparer là, entre collègues voilà, et amis. Allez, 73, bonne journée à tous. Au plaisir de se réentendre. Bye bye, bonne journée. La station pour les tests de modulation, ça fonctionne. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, 14 Kilomike 3301, Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux.
Oui, 14 kilos d'hectare, les 251 retournés. Ok, Bonny, comment ça va? Est-ce que la roue est bloquée? Oh, ça va, ça roule. On est sous le 555, là, au fait, ça roule. Oh, c'est bien, c'est bien. Si je me trompe, tu es Noémie, là, qui fait des émissions, là. La planète Sibi francophone, affirmatif. Enfin, des vidéos. Oui, en fait, je suis content de faire la connaissance depuis la salle que je voulais arriver à t'attraper, voilà. Ok, on peut faire un QSY sur le 27545. Oui, 27545. Voilà, je suis là. Ok, voilà, les modes 73 renouvelés, voilà, de 14 Delta Romeo 33 ou 14 km sur 3301. Autrement dit, Dandy 33, opérateur Rémi, en mobile, voilà, sur la rocade de Bordeaux. Voilà, ça roule tranquillement, mais ça roule. Ok, mon ami, mais les 73, c'est 41, il y avait un moment, je voulais faire ma connaissance, tu vois, j'y arrivais pas. Je suis un ami, un autre, Rémi, que le enregistré. Ok, d'accord, les 73 également, l'autre station là, qu'il y a derrière. Eh bien, puisque tu connais mes vidéos, là actuellement, là, j'en ai démarré une. Si ça te dérange, il n'y a pas de souci, hein, je la coupe. Ou sinon, eh bien, ce sera avec plaisir que tu pourras t'écouter dessus. Oui, en avant, les 73, la station, là, en avant. Oui, Angèle. Oui, ouais, je t'avais eu tout à l'heure. Ah, si. Oui, voilà, je suis avec une station là, de Saint-Médard, Angèle, là, d'après ce que j'ai compris. RJ294 à Bordeaux. Je crois que tout à l'heure aussi, mais on s'est perdu. Oui, affirmatif, 294 Bordeaux, les bonnes sont 1351, retournez. Voilà, je suis pas loin, j'arrive à la dernière sortie là avant le pont d'Aquitaine. Tu vas travailler ou tu vas ton QRA? Ah là, je rentre au QRA depuis que je suis debout très tôt ce matin avec 10 heures de statique. Hachi, voilà, à faire du stationnement, de la circulation, 10 heures de statique dans les pattes. Manger vite fait un petit sandwich comme ça sur le pouce en même temps que le pro. Bah bon, bref, toute l'équipe qu'on était, on était tous logés à la même enseigne de toute façon. Donc là, un petit peu sur les rotules, on va dire. Moi, c'était hier, tu vois, j'étais sur les rotules hier. Toulouse-Bordeaux en 2 heures. Et puis ça, après, le mandat que j'ai fait, j'ai suis rentré hier soir, j'étais en chasse. Ah, mais tu l'as pas fait en footing? Non, mais ça fait rien. J'ai fait 2h30, j'ai mis 2 heures. Ah, si, trois coups, je plaisante. Voilà, je suis dans la montée là, du pont d'Aquitaine. Ouais, c'est pour ça qu'il me bloque lui, quoi, comme d'habitude. C'est Vincent de Paul. Ah oui, d'accord. Oui, il y a un petit bout de route quand même. Eh bien, je sais pas quel temps il fait sur Saint-Vincent de Paul. Enfin bon, là, à mon avis, ça doit être le même qu'ici. Il pleut. Alors, ça a commencé, il a commencé à pleuvoir vers les environs de 17h, parce que là, j'étais en poste là sur Mérignac. Donc, il a commencé à pleuvoir, oui, vers 17h et jusqu'à la débauche. Eh bien, on s'est pris la flotte. On a pris une bonne douche. Ok, affirmative, ici la pluie, j'ai l'air de vouloir s'arrêter. Je ne sais pas dans quelles conditions tu me reçois, mon ami. Alors j'ai un petit peu de mal à voir, je crois que ça doit être un Santiago de 7, je pense. Parce que là, j'ai pas mes lunettes là, pour voir de près là, sur le nez. Pour conduire, c'est pas l'idéal. Donc je pense que ça doit être un Santiago de 7. Et la radio, bon, c'est une radio de 5, un petit peu nasillarde, mais je t'entends très bien. Hein.
Ok, je vais essayer de vous laisser mon recul. Moi, je serai. Ok, 294 Bordeaux, en avant. Ok Rémi, merci pour le retour au micro 73, Jean-Claude Bordeaux. Dis-moi, il y a quelque temps de cela, j'ai essayé de m'enregistrer sur la planète Sibi francophone, mais j'attends toujours le retour. Hein. Toujours pas de possibilité de me connecter, Rémi. Retour à toi. Ah, alors. Est-ce que tu connais moi est-ce que tu sais me contacter autrement? Non, pas du tout. D'accord, donc ça veut dire que tu n'es pas sur Facebook? Absolument. D'accord. Bah, de toute façon, mon adresse email, c'est celle que j'utilise pour la radio. Si tu as quelque chose pour écrire, il n'y a pas de problème, je te donne ça. Ok, j'attrape le crayon. Ok, ça marche. Voilà, tu m'envoies ça par email. Déjà, d'un premier temps, je fais une recherche parce que ce qui m'étonne, c'est que toutes les personnes qui s'enregistrent, qui ne vont pas voir leur email ou qui n'ont pas reçu, de toute façon, je valide systématiquement de mon côté. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Ok Rémi, bon c'est noté, donc j'enverrai un email et tu pourras me faire éventuellement le commentaire du pourquoi ou du comment, voilà. Je salue Angèle bien sûr et René que j'ai entendu précédemment. Voilà, je te laisse continuer ta route Rémi parce que je vais pas tarder à te perdre là. Sur le pont d'Aquitaine c'était quelque chose de transcendant comme on pourrait dire au niveau du signal, mais après dès que ça a passé la colline, je commence à avoir quelques difficultés. Voilà, je te retourne le micro, David. Ah bah de mon côté, là, ça passe vraiment bien. Là, j'arrive à la bretelle de sortie de la sortie 26. Voilà. Bon, comme ça, voilà, donc dans l'email, tu me mets l'identifiant avec lequel tu t'es enregistré. L'identifiant et l'adresse email. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin là pour vérifier ça. Et si l'enregistrement n'a pas marché, je m'occupe du reste et je t'envoie ça. Ok, Dandy, sans souci, merci d'avance. Voilà, surtout qu'en plus, là en ce moment, sur le forum, là c'est pas mal actif du côté PMR, DMR, côté radio en général, bidouille. Il y a énormément de bidouilles en ce moment, là c'est énormément actif. Hein. D'ailleurs c'est pas compliqué, en ce moment, à chaque fois que je jette un petit coup d'œil, ça va entre 40 et 80 personnes de connecter en même temps. Enfin de connecter, visiteurs tout confondus en même temps. Hein. Donc là ça brasse pas mal pour la radio en ce moment. Là on voit que les gens sont vraiment intéressés. Hein, à revenir à la radio, à bidouiller, et ainsi de suite. Ok, eh bien, c'est parfait tout ça, hein. C'est parfait. C'est signe que ça fonctionne bien l'affaire et qu'il y a des gens qui sont intéressés. Au cas pour le DMR, hein. Moi-même je suis aussi clairé en DMR, donc ça peut éventuellement m'intéresser s'il y a des bidouilles à récupérer ou quoi que ce soit. Voilà, bon je me fais pas plus long, hein, parce qu'on n'était pas tout seul sur la QRG, donc je vais retourner le micro là du côté d'Angèle. Ok, pas très attendre, j'écoutais, et j'ai entendu qu'il y avait une station qui était au loin, là, d'après ce que j'ai compris, tu peux répéter la nuit, parce que René, ce que j'ai déjà entendu assez loin, mais je l'entends que par le DMR, si tu m'entends toujours, lundi. Ouais, par le web SDR, tu veux dire. Vu que je suis en train de rouler et tout, forcément, puis avec ma mémoire de poisson rouge, à chier trois coups, j'ai zappé le QTH.
Je vais lui retourner le micro. Oui, la station là, qui m'a reconnu à Chitroico, qui est assez au loin. Je crois que je roule dans ta direction. Retour de micro. La station qui m'a parlé de mes vidéos là tout à l'heure, retour de micro. Moi, je suis un peu étonné. Je suis un petit peu étonné parce que là, au niveau puissance, on va dire, au niveau portée, je suis à l'égal d'une station fixe, hein. Grosso modo. Ouais, c'est un médecin de pôle, exact, c'est ça. L'attention de médecin de pôle, est-ce que tu le reçois? Ah oui, Saint-Vincent-de-Paul, voilà, c'est ça. La station de Saint-Vincent-de-Paul, est-ce que tu es toujours là? Soit ça passe plus, ou je sais pas. C'est... je sais pas. Bon, bah c'est pas grave. Retour à toi, Angèle. Ouais, mais ouais, pas de problème, je suis là. Donc, j'attendais sur la radio, j'attendais rien. Et l'indéo, oui, tout à fait, là, ça, j'ai pu l'entendre, donc je ne sais pas si il m'entendait. Donc, voilà, et là, ouais, ça passe toujours aussi bien. Je ne sais pas de quel niveau, là, maintenant, Rémi. Eh bien, là, je suis sur la Nationale 89. Alors, je suis entre la sortie 26 et la sortie 2. Sortie 26. Voilà, je suis entre la sortie 26 et la sortie 2 sur la Nationale 89 en direction de Libourne. Ah oui, ça, oui, tu repars chez toi, là, oui, tout à fait, ouais. Bon, ben, ça doit circuler là-bas, autour de monde, là. Ben, ça roule doucement, hein, parce que bon, cette route est limitée à 110 et toi, là, c'est, les gens plafonnent à 90. Ah, c'est... m'en parle pas de moi qui fais la route tous les jours, qui fais 1500 km, 1300 km par semaine, limité à 80, les gens roulent quand à 70. Ils ont peur de se faire flasher. Je sais pas, alors à 110, je te dis pas, ils roulent à ouest, c'est vrai, comment tu dis, à 80, 90. Oui, oui, voilà, c'est exactement ça, quoi. Et je vois, moi, sur la rocade de Libourne, qui, en plus, tu peux pas doubler, tu peux rien faire, c'est une fois une voie avec un pont central, j'en vois des fois qui font le coup de rouler à 60. Ah, mais je rêve, j'hallucine, t'es là derrière, tu pars au boulot, t'es vachement content, quoi. C'est quand c'est hier matin, oui, puisque en plus, hier matin, j'ai dû prendre la route à 5h15, ah, j'étais vachement content, quoi. Alors, non, c'est pas hier matin, ça c'est la semaine dernière. Hier matin, c'est la rocade de Libourne de fermée que j'ai eue. Là aussi, j'étais vachement content. Donc, traversée de Libourne, sortie de l'autre côté, pareil, ça roulait pas terrible, 70 à peu près. Hein. Là, en direction, en direction de Bordeaux, il tardait d'attraper la voie rapide pour pouvoir accélérer un peu quand même. Hachis. Surtout qu'en ce moment, là, au niveau du pro, ils ont le chic là, de m'envoyer sur Mérignac en journée. Ouais. Alors, ce qui fait que là, là, ça fait des sacrées journées, plus le gilet qui va bien, qui fait 8 kg, plus autant de statique que je passe de temps là-bas, c'est assez ardu. Hein. C'est pour ça que hier soir, par exemple, on m'a pas entendu dans le QSO, parce que pour le coup, là, il s'est arrêté la course. Parce que bien souvent, quand je sors de là-bas, ben c'est facilement 2 heures de route. Alors, le temps de rentrer, de prendre la douche, et ceci, et cela, je me suis dit, ah non, là, je peux plus, là. Sur le canapé, je m'endormais, quoi. Et là, tu vois, là, c'est parti pour ce soir que ça fasse pareil. Hein. Je crois que là, ce soir, le QSO, je vais l'oublier aussi. Hein. Ok, Rémi, c'est Kilo Delta qui vous parle, l'opérateur de Saint-Vincent-de-Paul. Ok, t'es de retour. Saint-Vincent, Angèle, tu as justement le QTH de Saint-Vincent-de-Paul qui est de retour. Voilà, j'arrive dans la descente de la poste. Oui, je connais un petit peu, moi qui vais souvent sur les bords et partout de l'autre côté, dans cette affaire que vient, que voilà ma vie. Je voudrais te demander, as-tu des nouvelles de notre ami Samson, la pierre? Notre ami, j'ai pas compris, hein, parce qu'en plus là j'arrive dans le bas, là, dans le trou de la poste, donc là forcément je suis un petit peu perdu.
le temps de remonter un petit peu, puis j'ai remarqué qu'il y a un petit peu de QRM dans le coin, donc là ça n'a pas passé. Attends, là je suis vraiment là dans le trou. Hein. Attends que je remonte un peu, voilà, je suis en train de commencer à amorcer la montée. Ok, alors, attendez, les essuie-glaces, voilà. Ben, il pleut toujours au fait ici. Hein. Ok, donc voilà, là je suis pratiquement rendu en haut. Ouais, tu me dis. Eh bien justement, j'étais aujourd'hui au pont avec lui à Chitwaku. On était tous ensemble du côté, dans les environs on a de Mérignac. On a tous fait la même chose, on a tous pris la douche à Chi. Ok, parce que j'ai pas de nouvelles depuis 2 mois de lui. C'est vrai que j'étais sur le pont des gars à côté de moi. Mais j'ai pu faire beaucoup de contacts avec Bordeaux, pas de propagation. Hein. Ok, d'accord. Eh bien, cette vidéo là que je suis en train de faire, eh bien, sera en deux parties. La première partie est justement avec Daniel ce matin sur la route. Donc, quand tu viendras écouter la vidéo, tu auras le plaisir d'entendre dans la première partie, là, les 24 premières minutes, là, Daniel en QSO avec moi, on était sur le canal 19. Merci, merci, je regarderai quand j'aurai un petit peu de temps sur ma cassette, je regarderai. Je t'ai rendu le toit, je crois, carré avec 7009. Et là, attends, j'ai pas compris. Oui, oui, affirmatif. Voilà, c'est celui-là que j'ai là actuellement dans le push. Avec ce que j'appelle avec humour la petite boîte de miroir qui est branchée derrière pour donner un petit peu la main, vu la distance, parce que vu comment tu m'arrives, c'est pas énorme. Donc j'ai intérêt de mon côté à faire le nécessaire pour que tu arrives à m'entendre. Et au niveau antenne, eh bien, c'est la Wilson 5000 qui est placée au centre du toit. Oui, j'étais attendu souvent que j'ai entendu. Eh bien, j'étais tellement écouté que j'ai fait une acquisition de 7009 moi aussi, que j'ai depuis 2 mois, mais je l'ai pas trouvé pas mal forme. J'ai un peu de QRM, je sais pas d'où ça vient. Remarque aussi, j'ai une ligne électrique à côté de moi, là. En plus, il pleut, ça doit générer un peu de QRM. Du coup, j'ai eu du mal à comprendre ce que tu as dit. Oui, affirmatif, moi aussi, j'ai beaucoup de QRM. J'ai 4 points de QRM. Et puis, mon antenne n'est pas très haute. J'ai une 1,99, en fait, de 3 mètres du sol. Et puis, je peux plus la monter davantage. Ok, d'accord. Oui, Angèle. Voilà, dès qu'il a relâché le micro, j'ai réussi à t'entendre derrière, Angèle. Les bottes se sont très à toi. Je suis en train de te perdre complètement, là. Ok, bah, bonne soirée, Angèle. Et puis, s'il y a des bons ce soir, bon QSO. Non, là, je suis trop crevé pour y être ce soir. Ça va pas le faire. Merci, Angèle. Ok, pour la hauteur d'antenne à la station de Saint-Vincent-Paul. Ouais, effectivement, elle n'est pas très haute. Putain, ouais, t'as des cuillères, mais effectivement. Hein. Tu es avec le 7009 en ce moment ? J'ai avec le 7009 que j'ai acquis depuis 2 mois et je trouve qu'il n'est pas fameux, tu vois. Est-ce que tous les filtres, le NB est enclenché ? Est-ce que l'autre filtre, j'ai zappé le nom, est enclenché aussi ? Ah, j'ai un filtre de cachet. Il a eu les marqués HIT. Ok, HIT il a enclenché. Et le NB il est aussi enclenché. Ah, le NB, non, je ne comprends pas. BM, non, je ne comprends pas. NB, non. Ok, ouais, ce serait peut-être intéressant que tu enclenches aussi le filtre NB. Mais parce qu'il n'arrive pas tellement à m'habituer à ce poste-là. Bon, j'y arriverai. C'est pour ça qu'il faudrait bon, j'ai le micro ordinaire, et il va bien d'ailleurs. Ah oui, moi aussi, hein, je suis avec le micro d'origine. Hein. Et avant le 7009, j'ai eu là, pendant quelques mois le 6009. Et franchement, de mon côté, je ne regrette pas du tout d'être passé au 7009. Hein.
Je trouve qu'il a une meilleure écoute et une meilleure émission aussi. Et le micro, je trouve que le micro d'origine sur le 7009 suffit largement. Hein. Oui, pourtant, sur le Portugal qui fait des très bons contacts, comme on dit, qui fait des très très bons contacts. Et, mais ici, depuis que je suis ici, je n'arrive pas. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement m'y habituer. Sur le Chris Paul, ah, je suis trois coups. Autrement, ouais, peut-être que la hauteur d'antenne est pas suffisamment bonne. Parce que c'est vrai qu'en plus, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, elle n'est pas très très haute, hein, l'antenne. Donc évidemment, ça ne doit pas être terrible. Et puis sans compter que le sol est peut-être pas bien approprié aussi là, pour avoir une bonne... un bon trafic là, de ton côté, quoi. Oui, Rémi, je ne te comprends plus. Beaucoup de cœur et beaucoup de cœur. Mais oui, je t'ai essayé sur le mobile. J'ai un joyau, oui. J'ai un joyau de vieille génération, oui. Avec une antenne qui va très très bien, tu as connu aussi. La tête à gros tour de chaleur. Et j'ai aussi oui. Une ok, oui, d'accord, affirmatif, ouais, je connais. Et ben, tu vois, justement, là, en prenant la Wilson 5000, ben, pour le coup, là, je me suis rendu compte que là, j'étais gagnant là, à tout niveau, parce que bon, elle est un peu plus courte. Oui, elle est plus courte que la Santiago 1200, et je prends moins de QRM aussi. Et vu les QSO que je fais là, avec la Wilson 5000, eh ben, vraiment, je ne regrette pas d'avoir changé. Là. Vis-à-vis de la Santiago 1200 qui elle pourtant marche très très bien. Hein. Bon Rémi, je m'excuse, j'arrive plus à te suivre, je n'arrive plus à te suivre. J'ai le terminé les 313 et 51. Tu verras les gens qui aussi mon ami Santori. Il dit lui qui tâche de me contacter là pour savoir de ses nouvelles de lui et de sa famille. Allez Rémi, je te remercie, je t'assurerai de me contacter avec toi pour en parler sur le 355. Allez Rémi, bye bye, merci de m'avoir répondu. Ok, pas de problème, je vais faire même plus que ça là au niveau de Daniel Santor. Quand la vidéo sera prête, je lui enverrai un message l'invitant à venir l'écouter en lui disant qu'il a une surprise dessus de la part d'un OM, justement qui le réclame, Hachi. Et bonne 73-51, merci pour le QSO, bye bye. Merci, bye bye. Le plaisir de la radio, le plaisir de la CB, voilà, tout simplement. Ça se résume à pas grand chose, à des plaisirs simples, mais c'est tout simplement génial. On sent le côté chaleureux là, dans les contacts là, qui se font, là, c'est génial. La propague arrive. Il y a un petit peu de propague derrière. Oh la vache.
Ça, c'est ce qu'on appelle les surprises de la campagne. D'un seul coup, ça arrive comme ça, tac, on sait pas d'où. Enfin, si, mais bon, je parlais pour la propague elle-même. C'est ça qui motive, qui donne envie en même temps que de cuire sur le coup. C'est très bien, il faut en faire, bien au contraire, hein, c'est tout simplement génial. Et quand la propague est là, voilà, c'est un autre type de radio. Là, c'est on va à la pêche au contact. Bon, en tout cas, là, les EM, on sait d'où ils arrivent.